Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat. Nous parlons d'éco-diplomatie aujourd'hui, réchauffement ou plus précisément renforcement des relations commerciales et économiques entre l'Afrique du Sud et les pays francophones de l'ouest du continent, mise en place de commissions mixtes de coopération, facilitation des procédures d'exportation et d'importation, déploiement de nombreux projets multilatéraux économiques et récemment, le président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa a effectué une visite importante en Côte d'Ivoire avec nos invités du jour, nous tenterons de décrypter les enjeux de cette visite et surtout les perspectives des relations commerciales et économiques entre ces deux pays. Sadia Zouzou, vous êtes spécialiste en économie, en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et avec vous ici en studio, M. Ladji Bamba, consultant socio-économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, M. Soumaro. Alors, messieurs d'entrée de jeu, quand on parle d'éco-diplomatie ou autre, on voit quand même les intérêts. Mais quand on regarde la Côte d'Ivoire, quand on regarde l'Afrique du Sud, quel bilan on peut dresser de la croissance de ces économies-là? Je vous remercie, M. Soumaro. Le bilan qu'on peut dresser, déjà, on pourrait dire que ce bilan est assez bon. Le bilan de nos relations est assez bon. Dans la mesure où, vous voyez, en 2019, la valeur de nos échanges déjà était autour de 290 milliards, nos échanges commerciaux. Et cette valeur a progressé en 2020 pour passer à 370 milliards. Aussi, il y a eu la création de la SPE par l'État ivoirien, le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire, qui a officiellement pris fonction en Afrique du Sud en décembre 2013. Et grâce au travail de lobbying fait par cette structure, la Côte d'Ivoire a quand même pu bénéficier de certains avantages. Notamment, il y a, on peut citer parmi ces avantages le financement de la route Séguéla-Kani au nord, le partenariat entre la SICOJ et l'entreprise Megatron, l'installation en Côte d'Ivoire des banques Standard Bank, qui est une banque sud-africaine, et voilà, il y a plein d'autres contrats comme ça. Plein d'autres contrats comme ça qui viennent. Mais quand on regarde, déjà, on est en plein dans le sujet, quand on regarde un peu l'Afrique du Sud, on voit que c'est quand même la locomotive au niveau de l'Afrique australe. Quand on regarde au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire essaie quand même de tirer son épingle du jeu, mais il y a aussi le Sénégal, on a le Nigeria. Alors, pourquoi l'Afrique du Sud est intéressée par la Côte d'Ivoire, selon vous? Bien, à mon sens, il y a plusieurs raisons qui motive l'intérêt que l'Afrique du Sud peut avoir pour la Côte d'Ivoire. C'est très simple. Il y a d'abord le fait que l'économie sud-africaine a été impactée négativement par les effets de la COVID-19. Vous savez que l'Afrique du Sud aussi vit l'une des grandes recettes de l'Afrique du Sud. Par exemple, ces recettes-là viennent du tourisme. Et donc ça, c'est un facteur très important aussi. Et il y a aussi d'autres effets aussi sur d'autres secteurs qu'on pourrait ajouter. Quand vous parlez, permettez-moi de vous couper là, quand vous parlez par exemple des effets de la COVID sur l'économie de l'Afrique du Sud, mais cet effet-là se ressent quand même sur tous les pays aussi, la Côte d'Ivoire est impactée par la COVID. Voilà, bien entendu, c'est parce que vous avez posé la question sur l'Afrique du Sud que je l'ai dit, mais aucun pays dans le monde n'a été épargné par cette pandémie. Donc je parlais de l'Afrique du Sud. Mais en dehors de cela aussi, il y a un facteur très important qui est là, c'est je pense que les pays font de la prospective. Je pense que nous avons la mise en place de la ZELECAF, de la zone de libre-échange qui est maintenant de façon effective en Afrique. Donc l'Afrique du Sud, possédant un tissu économique très dense, a besoin nécessairement des marchés aussi pour ses produits manufacturés. En plus de cela, il faut savoir qu'il y a un regain d'intérêt pour les grandes puissances aujourd'hui, pour les pays d'Afrique de l'Ouest notamment. Vous voyez, notamment la bande sahélo-saharienne a eu un regain vraiment très très intense pour la part des grandes puissances sur le plan international. Et je pense, et cela préfigure du combat qui se déroule entre les deux blocs, c'est-à-dire le bloc occidental dirigé par les États-Unis et aussi il y a le bloc des BRICS,
Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, bien entendu, dont fait par l'Afrique du Sud, quittent, et ces pays-là sont en train de se préparer aujourd'hui pour véritablement avoir leur part de marché dans les pays en Afrique de l'Ouest. L'Afrique, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est, je vais dire, c'est 40% au niveau des pays de l'UEMOA. Et d'après le ranking de la Banque africaine de développement tout récemment, au niveau de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire vient en troisième position après le Ghana. Bien sûr, il y a un match entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, tantôt c'est la Côte d'Ivoire et tantôt c'est le Ghana. Donc, de façon, vous avez tout à l'heure parlé de croissance. Après les événements que nous avons connus, quand même, la Côte d'Ivoire a eu une puissance fulgurante très importante. Il lui faut des marchés pour ses produits agricoles de façon générale, le café, le cacao, etc. etc. Mais en plus de cela, ce que je veux dire aussi, c'est que le regain, en ce qui concerne la disposition des ressources minières, le regain pour l'Afrique de l'Ouest est très, 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 très important. Et de plus en plus maintenant, les grandes puissances aujourd'hui sont... ont véritablement développé cet appétit pour cette partie de l'Afrique. Donc, permettez-moi de vous couper encore une fois de plus et de rebondir, parce qu'on voit un peu l'arrivée du président sud-africain dans cette période-là, où on voit que toutes ces initiatives de prospection qui ont été menées font ressortir, en tout cas, que la Côte d'Ivoire est un véritable gisement naturel, est un gisement naturel de grande envergure. On a vu, par exemple, toute cette... comment je peux rappeler ça, ce bloc de pétrole qui a été découvert récemment, qui est un important gisement. On a aussi au niveau des mines, quand on sait que l'Afrique du Sud est quand même, son économie est fortement axée aussi sur les mines et autres. Est-ce que cela ne joue pas dans la balance, comme vous venez de le dire? Mais bien entendu, vous savez que lorsque les pays, par exemple, entreprennent des actions pour pouvoir se positionner sur le plan international, on parle de la diplomatie économique. La diplomatie économique a pour objectif de favoriser l'influence économique d'un pays, mais au plus encore des entreprises de ces pays. Et les entreprises sud-africaines, en tout cas, bénéficient quand même d'un savoir-faire au niveau de l'industrie minière, notamment en Afrique, mais à travers le monde. Vous savez que Anglo-American, par exemple, est l'entreprise appartenant à l'Afrique du Sud avant d'être rachetée par les Britanniques. Aujourd'hui, même, c'est le plus grand groupe minier au monde aujourd'hui. Et donc, cette compagnie-là, à travers ses filiales, Anglo Gold Ashanti, par exemple, est très impliquée, par exemple, dans les mines au niveau du Ghana. Alors, donc, les promesses et les découvertes minières en Afrique de l'Ouest, ici, sont très, 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 très importantes. Je peux même vous dire aujourd'hui que l'intérêt minier, en ce qui concerne, par exemple, l'or, s'est déplacé de l'Afrique du Sud aujourd'hui en direction des trois pays qu'on connaît, parce que c'est le Mali, le Niger, le Burkina Faso, et très certainement la Côte d'Ivoire, parce que, si vous, comme vous le savez très bien, il y a la Côte d'Ivoire confrontée à l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, et on ne va pas faire de l'orpaillage dans une zone où il n'y a pas d'or. Donc je veux dire que tous ces enjeux-là mis ensemble sont motivés véritablement l'arrivée à un très haut niveau quand même d'un chef d'État dans un pays phare, nous, l'Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire. Alors justement, vous en parlez, on voit aussi que dans ce contexte de crise sanitaire, avec ce nouveau variant qui est découvert, des frontières des pays sont en train de fermer ou de restreindre les vols en direction de ces pays d'Afrique australe. Et c'est dans cette période sensible que le président sud-africain Cyril Ramaphosa se rend en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui peut justifier une visite pareille en de telles circonstances? Je vous remercie de la question. Et en fait, la réponse est dans la question. C'est justement cela qui justifie la présence de Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui explique en vérité sa tournée ouest-africaine qu'il fait actuellement. Vous savez, en 2020, l'économie sud-africaine a été frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Son PIB réel a reculé de 8,2%. Le secteur vitaux de son économie a été touché. Aujourd'hui, avec la découverte du nouveau variant Omicron,
On constate qu'il y a une fermeture des frontières, il y a des mesures contre-productives pour son économie qui était déjà touchée. En juin de cette année, lors du Forum économique de Doha au Qatar, le président Cyril Ramaphosa l'avait dit. Il avait par exemple dit que la dette, certaines dettes des pays africains devraient être annulées. Plus tard, en septembre de la même année, lors de l'Assemblée de l'ONU, il a dit que la pandémie de COVID-19 a modifié à jamais la nature des relations multilatérales. Donc vous voyez, c'est là tout le problème en fait. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud s'est fait le fer de lance de la lutte pour un accès plus élargi des populations africaines aux vaccins anti-COVID. N'oublions pas que son pays fait partie des plus touchés au monde. Sa population, son économie, ils l'ont vraiment subi. Ils ont besoin, l'Afrique du Sud a donc besoin dans sa lutte du soutien de ses pairs parce que les efforts doivent être conjugués. Les efforts doivent être conjugués et vous remarquerez qu'avant de venir en Côte d'Ivoire, il était au Nigeria où il a tenu le même langage que le président nigérien Muhammadu Buhari. Ils étaient d'accord là-dessus. Donc, c'est la véritable raison. L'économie subit la pandémie, tous les secteurs de l'économie, et politiquement, ça crée d'autres problèmes. Donc, la venue du président Ramaphosa en Afrique de l'Ouest a ce but-là, en fait, tisser des relations diplomatiques et politiques dans ce sens, afin que les efforts soient conjugués. Justement, je voulais revenir aussi, je veux dire, au moment où tout le monde essaie de fermer ses frontières en griffe, est-ce que ce n'est pas une action politique de force pour dire aux gens, nous sommes encore là, montrer à la face du monde qu'entre Africains, on doit créer cette solidarité? Oui, je veux dire, mais je voulais juste revenir aussi sur l'une des raisons qui pourrait motiver la présence du président Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Et au-delà aussi en Afrique de l'Ouest. On devait savoir que depuis un certain temps, et tout le monde le sait, et c'est de façon notoire, que les pays africains sont soumis, sont confrontés au problème du terrorisme et du djihadisme. Ça commence par le Nigeria avec Boko Haram, et le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie. Et il se trouve que peut-être de façon... pas très fortuite d'ailleurs que dans ces pays-là se trouvent de très grandes réserves minières. On y trouve des matières premières critiques telles que le lithium, le pétrole, le diamant, etc. C'est là qu'ils se trouvent dans cette zone-là. Alors, ce qui peut paraître une menace pour des États peut aussi être une opportunité pour d'autres. Alors donc, pour moi, ces pays-là étant confrontés, je parle des pays ouest africains étant confrontés à la menace djihadiste, ont besoin de se protéger. Donc, quand ces pays ont besoin de se protéger, donc ces pays ont besoin aussi de matériel de guerre, du matériel de sécurité pour se protéger. Alors que nous savons très bien que l'Afrique du Sud est l'un des rares pays africains, sinon pratiquement le seul africain, à disposer d'une véritable industrie militaire, d'une industrie militaire aujourd'hui. Alors, donc ce complexe militaro-industriel qui comprend le grand groupe gouvernemental d'Enel et produit du matériel que l'Afrique du Sud vend à travers le monde. Tout le monde le sait. Alors donc, c'est une opportunité aussi pour les entreprises sud-africaines qui vendent des produits de sécurité de trouver des débouchés et de voir comment est-ce qu'elles peuvent proposer leurs services, à ces pays-là. La Côte d'Ivoire aussi, vous le savez très bien, cette année, le budget au niveau du ministère de la Défense a été augmenté en raison des menaces djihadistes dans le nord du pays. Donc je pense pour ma part, en tout cas, que ce marché-là pourrait intéresser de très près les entreprises sud-africaines. Alors, mais quand on regarde, alors vous avez donné un pan de la réponse de la question à laquelle je voulais vous soumettre tout à l'heure. Quand on regarde ces deux pays, quels sont alors aujourd'hui les intérêts majeurs de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud? D'accord.
Déjà, les intérêts majeurs de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit précédemment, l'Afrique du Sud, l'économie sud-africaine a été touchée. Il s'agit de trouver de nouveaux débouchés pour les entreprises sud-africaines. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que les ménages et industries sud-africaines ont besoin de matières premières. Vous voyez par exemple, dans les exportations ivoiriennes vers l'Afrique du Sud en 2019, l'essentiel de ces exportations tournait autour du cacao et de certains autres types de produits très prisés par les entreprises et les ménages sud-africains. Donc, ils en ont besoin. Nous, ici aussi, nous sommes confrontés, en Côte d'Ivoire, nous sommes confrontés à la menace djihadiste, comme M. Zouzou en parlait tout à l'heure. Le savoir-faire de l'Afrique du Sud en matière sécurité, en matière d'industrie sécuritaire et militaire n'est plus à présenter. Donc déjà, il y a ce marché-là qui est là. Le domaine de la sécurité, de la défense, le domaine agricole. Et puis tout à l'heure, on parlait aussi de la croissance. Une croissance a besoin d'être soutenue. On sait tous qu'un des secteurs majeurs de l'économie sud-africaine, c'est son secteur bancaire, son secteur financier. Du coup, ils pourront nous apporter de l'aide. Il y a du marché pour eux dans ce sens. C'est très très Je voulais ajouter aussi quand même qu'il y a eu, je veux dire, comme résultat de cette coopération, vous avez le fleuron de l'industrie des télécommunications MTN qui est déjà implanté en Côte d'Ivoire. Et nous avons donc appris aussi que le président Cyril Ramaphosa va poser la première pierre du futur siège de MTN ici en Côte d'Ivoire. Donc je veux dire que le marché ivoirien est un marché qui est très 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 important pour l'Afrique du Sud. Et aussi, dans ce domaine-là, il y a aussi le domaine de l'automobile. On sait très bien que depuis 1924, déjà, l'Afrique du Sud a déjà accueilli sur son sol des installations de montage de véhicules Ford. Et déjà, la plupart des grands constructeurs à travers le monde aujourd'hui, ces constructeurs-là ont fait signer des partenariats avec les entreprises sud-africaines. Et que l'Afrique du Sud produit environ 335 000 véhicules neufs par an. Et donc, il faut pouvoir trouver des débouchés pour ces produits-là. Mais en dehors de cela, encore en plus de ce que je viens de citer là, je veux dire que l'Afrique du Sud aussi est très présente dans bien d'autres domaines encore. Et je pense que la présence du président ici, sud-africain, seulement, pour essayer de voir comment trouver des débouchés pour les produits manufacturés sud-africains. Trouver des produits, des débouchés pour ces produits, quand on sait aussi qu'au niveau des échanges, on entend beaucoup parler de l'augmentation de la croissance de ces échanges. Et durant même son séjour ici en Côte d'Ivoire, le président sud-africain a visité le port autonome d'Abidjan pour s'enquérir un peu des dispositions et voir comment travailler avec les autres ports sud-africains. C'est-à-dire qu'on doit s'orienter. On doit orienter nos regards, nos analyses aussi vers ce côté sensible, hein, des échanges économiques entre ces deux pays, surtout au niveau des grandes plateformes portuaires entre la Côte d'Ivoire. Oui, en effet, nous devons le faire. En ce sens que, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, la locomotive de l'UMOA. Avoir le marché ivoirien offrirait une porte plus grande sur divers pays de l'UMOA. Et comme vous le savez, actuellement, le PIB dans la région, dans la zone de l'UMOA, si mes souvenirs sont bons, sont autour de 1355 dollars par habitant, ce qui n'est quand même pas rien. D'un autre côté, avec l'Afrique du Sud, avoir le marché, conquérir le marché sud-africain offrirait à nos entreprises et à nos producteurs un accès plus élargi vers d'autres pays tels que le Malawi, le Zimbabwe et bien d'autres pays. Donc il y a aussi cet enjeu-là qui est là, il y a cet enjeu régional qui est là. Et je pense que c'est une des raisons qui motive d'ailleurs cette rencontre et le fait que les deux présidents s'investissent dans la commission mixte ivoiro-sud-africaine. Et aussi, oui, je vous laisse Oui, d'abord non, je finir. disais que je voudrais ajouter aussi que aujourd'hui, le marché qui aiguise l'appétit de toutes les puissances à travers le monde, c'est aujourd'hui
le futur marché, la future zone de libre-échange, ASLECAF, ce sera environ 1 milliard, 1,2 milliard de consommateurs. Et l'Afrique du Sud, est avec son tissu industriel, est l'un des pays les mieux préparés pour avoir les premiers bénéfices de ce marché de libre-échange qui va s'ouvrir très bientôt. Mais le terrain ne lui sera pas laissé comme ça sans concurrent. Et je sais que ces grands pays-là, par exemple, pour les cabinets d'études avec lesquels ils travaillent, ils font de la prospective, ils savent très bien que, en tant que leader économique au niveau de l'Afrique, si l'Afrique du Sud ne se prépare pas pour se positionner dès maintenant sur le marché, ça risque d'être préjudiciable aussi à ces entreprises. Mais en cela aussi, il faut dire que cette action aussi peut être motivée, je veux dire, par le désir et la volonté de contrecarrer l'activisme économique, j'allais dire, de certains pays comme le Maroc, qui sont aujourd'hui très très puissants, dont l'économie est très florissante en Afrique aujourd'hui, et spécialement dans les pays francophones, mais le Maroc étend plutôt de plus en plus son influence aussi vers l'Afrique australe. Donc il y a le désir d'abord de contrecarrer cette influence, mais aussi de participer aussi au développement du commerce intra-africain. Donc je veux dire que l'Afrique du Sud est la deuxième puissance africaine derrière le Nigeria, mais n'entend pas rester et placer ses pions, je veux dire, au-delà de ses zones traditionnelles. Je sais qu'il y a quelques années de cela que l'Afrique du Sud a signé un partenariat stratégique avec le Ghana, qui continue toujours d'être un peu la tête de pont avancée de l'influence sud-africaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc la volonté des autorités sud-africaines, c'est d'aller au-delà de leur zone d'influence habituelle pour venir ici, en Côte d'Ivoire. Et quoi de mieux qu'un pays comme la Côte d'Ivoire qui est la locomotive de l'UMOA, mais partant aussi, c'est très important, de l'Afrique de l'Ouest. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire accueille beaucoup d'habitants d'autres pays, sur son sol. Donc, avoir de l'influence politique et avoir de l'influence économique, surtout en Côte d'Ivoire, c'est impacter positivement tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays de l'Interland. Alors, monsieur, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Si vous aviez un mot de fin, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces relations Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, ou plus généralement, on va le dire, puisque c'est une tournée régionale que le président sud-africain effectue, les relations Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud. Prometteuses. Elles s'annoncent prometteuses. Déjà qu'elles sont évidentes. On n'avait pas d'autre choix que de faire chemin ensemble. Et comme je le répète souvent, je le dis souvent à certaines personnes, la crise que le monde connaît actuellement a révélé les différentes lacunes dans nos relations. Il était vraiment temps que cette zone de libre-échange entre États africains prenne vie. Et c'est l'occasion rêvée entre l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest, qui sont deux régions qui ont beaucoup à s'offrir mutuellement. Donc, elle s'annonce prometteuse. En tout cas, pour moi, je pense que ce réveil de l'Afrique du Sud est un peu tardif, mais quand même, il a eu lieu. Et l'Afrique du Sud, avec son tissu industriel et ses énormes potentialités économiques, a véritablement mis du temps quand même pour chercher à affirmer, je veux dire, son influence sur le plan économique, politique et diplomatique en Afrique. Et je pense que toutes les choses se faisant en leur temps, le moment est arrivé maintenant de pouvoir étendre maintenant leur influence, et c'est ce qui motive en tout cas la présence du président Ramaphosa en Afrique de l'Ouest. Ce que je voudrais dire, c'est, vous savez ce qui se passe sur le plan international aujourd'hui, on se rend compte que l'Afrique, de façon générale, s'est rendue compte qu'elle est en retard, et que de plus en plus de puissances extérieures, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, l'Europe, l'Amérique, tout le monde vient chercher sa part du marché africain aujourd'hui. Mais il y a une puissance africaine aussi, une puissance africaine qui se trouve dans le top 20 des pays les plus développés dans le monde, qui est l'Afrique du Sud, qui est restée très longtemps dans sa zone traditionnelle, qui a compris aujourd'hui la nécessité de se projeter à l'extérieur. L'Afrique du Sud a des entreprises très importantes, par exemple comme De Beers. De Beers, c'est le géant mondial au niveau de l'exploitation des diamants, qui aujourd'hui est présent dans près de 25 pays à travers le monde.
Donc je vais dire que ce sont des opportunités, ce sont des forces qu'il faut exploiter. Et puis qui plus est encore, ils sont africains. Donc c'est véritablement très important et ils seront très bien accueillis dans les pays. L'Afrique soutient l'Afrique, comme on peut le dire. On voit cette solidarité africaine qui se met en place. C'est une étape évidente dans le cadre de la zone de libre-échange continentale qui essaie de se déployer de plus en plus. Merci, messieurs, pour vos contributions. Monsieur Sadia Zouzou, je rappelle que vous êtes spécialiste en intelligence économique. Ladji Bamba, socio-économiste, consultant. Merci en tout cas pour vos analyses. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous parlions de cette coopération Sud-Sud et de cette croissance ou de cet intérêt de l'Afrique du Sud que l'Afrique du Sud a en direction de l'Afrique de l'Ouest. Vous l'avez compris, la coopération Sud-Sud était à l'honneur. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com, agréable suite de programme sur nos antennes.